Rien sans la femme, homme soutenant les femmes, car il n'y a pas d'homme sans femme. C'est dans cette optique que le député national Olive Moudekereza, avec sa fondation A ou à la main, participait au chant communautaire dans sa base de Walungu au sud Kivu avec les femmes dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Homme genré, ce digne fils de Walungu ne ménage aucun effort dans l'accompagnement des femmes de sa base dans les activités génératrices de revenus telles que l'agrobusiness, les microcrédits, mais surtout la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et femmes. Dans la politique comme dans l'administration, l'homme toujours proche de sa base, Olive Moudekereza, milite sans relâche pour l'élaboration des lois qui favoriseront les femmes à des postes élevés de responsabilité afin d'équilibrer et consolider la politique de développement. Vous savez, la femme joue un rôle très très important, capital. C'est la femme qui produit, c'est la femme qui donne la naissance. Il n'y a pas d'homme sans femme. Et c'est pourquoi j'ai dit, rien sans la femme. Et la femme mérite d'obtenir 50% sur tous les plans. Dans la politique, il faut que la femme soit soutenue. Et j'encourage et je félicite le président Tshisekedi qui est en train de promouvoir la femme. Pourquoi pas ne pas voir la femme premier ministre demain ou après-demain. Et que dans le parti politique, on arrive à aligner les femmes, donner la femme la place de choix. Rappelons que pour cette année, le thème choisi s'articule autour de l'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. De ce fait, le député national Olive Moudekereza est revenu sur son projet de 10 000 arbres forestiers et fruitiers qui voit sa fondation les distribuer aux femmes afin qu'elles produisent plus. Un élève, un arbre, une famille, un arbre, afin qu'autour des femmes qu'il y ait un environnement sain, pas une parcelle sans arbres